c'est notre confrère Eric Silva Seda et moi-même Philippe Missamou. Nous étions tout à l'heure, nous étions pour la FIDH. Et puis notre confrère dans le cadre de la FIDH. Voilà. Heureusement, grâce à la FIDH, alors, nous pouvons avancer dans le dossier. Tout à fait. Nous avons besoin des associations et de l'homme. Un peu de volume, s'il vous plaît. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Un peu fort. Pardon, un peu de volume. Un peu fort. Parlez de fort. D'accord, merci pour. Alors, malheureusement, le président n'a pas autorisé la publicité des débats. C'est tenu au principe, notamment, de la confidentialité de la procédure, du caractère non public de la procédure. Parce que là, ce n'était pas l'audience de jugement. Mais c'était une audience qui portait sur l'examen d'une nouvelle demande que M. Dabira et ses chefs, la vérité, ont formulée aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure. Alors, j'attire votre attention que ce n'était pas la première fois, ce n'est pas la première fois que M. Dabira et ses chefs formulent cette demande. Les précédentes demandes qui ont été formulées ont toujours été rejetées. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était sur un fondement qui est fantaisiste pour nous. Monsieur Dabira se plaint du fait que le juge lui ait demandé de s'exprimer, alors qu'il ne s'est pas exprimé et n'a toujours jamais voulu s'exprimer sur cette affaire. Soutenant que le Congo, Brazzaville, était un pays souverain et la justice congolaise n'accepte pas que l'on puisse, en quelque sorte, s'immiscer dans son fonctionnement et ne pas respecter ses décisions. C'est en référence au procès parodique des disparus du PIC organisé au Congo, Brazzaville. La Cour de cassation en France, ici, a décidé que la juridiction, la justice française, était compétente pour connaître de ces faits sur le fondement de la compétence universelle. Cette requête en annulation portait sur un acte d'audition de M. Dabira, a supposé même qu'on annula cet acte particulier. Ça ne remet pas en cause toute la procédure. On est bien d'accord. Cette précision était utile à faire, puisque certains ont pu voir qu'après avoir proposé cette requête, et que si on parvenait à une annulation d'un acte de la procédure, toute la requête, toute la procédure serait remise en cause. Il n'en est pas question. C'est simplement un acte dont on demande la nullité. Si par extraordinaire, la Chambre de l'instruction faisait voir la demande de M. Dabira, ce qui est vraiment toujours rêvé, il a toujours rêvé, à supposer que la Chambre de l'instruction fasse droit. Juste un mot également. Je pense que
que M. Sassou et ses SMIC. Ingueta. Et n'importe quoi. Cette procédure est toujours pendante. Elle continuera jusqu'à ce que M. Sassou et ses SMIC soient jugés par le journal des On va le gorger.